2 s'est rendu. Mais les gars de l'organisation étaient là et ils ont tout vu. Du coup, j'ai pas le choix. Ils les ramènent à la vieille prison ? Seulement quand ils les soupçonnent d'avoir des infos sur l'Atlas. Constantin veut leur poser quelques questions. Il emmène les autres. J'en vois 2, 3, 4. J'en connais un qui veut passer. C'est sûrement eux. J'espérais qu'on tirerait au sort pour décider qui s'en chargerait, mais bon. Ça fait longtemps que tu fais ce boulot ? Quelques mois, mais c'est ma première opération clandestine. Ça faisait un bail que j'avais pas été sur le terrain. J'étais un peu rouillé. Et toi ? Ça fait pile un an que je bosse pour Constantin. Un de mes vieux potes de l'armée m'a recommandé. Avant ça, je bossais pour une des grandes familles de Kiev. Mais il a fallu que je quitte la ville. Ça arrive souvent, ce genre d'opportunité ? Non, c'est un cas exceptionnel. Profites-en. D'habitude, les opérations sont beaucoup plus petites et plus discrètes. Ah, dommage. Star commence à y prendre le regarder. Ouais, je suis pas trop. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Les gars de l'organisation sont vachement agités depuis qu'on est là. Ils sont pas comme ça, d'habitude. C'est à cause de ce boulot ? Il y a quelque chose de plus. Je sais pas. Peut-être qu'ils vont prendre la tête sans raison. Je devrais profiter du moment. T'as raison. Ces mecs me filent la chair de poule. C'était pas mal. Oh putain, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu lui. J'ai pas vu d'où il arrivait en fait. De ouf. Je pense qu'il y avait largement moyen de passer sans se faire voir, mais bon. Pour rentrer dans la maison. Là, il n'y a rien. Ça passe par là, un passage. Un enregistrement audio. Je suis dans une mer de noir. Je furetais un peu, sauvegarder des fichiers pour mon usage perso. Quand je suis tombé sur un fil de discussion, me concernant. Et le pire, c'est que je crois que j'étais censé le trouver. Le chef de la sécurité sait que je diffuse certaines infos. Depuis le début, probablement. Et pour le moment, il se contente de m'observer. Histoire de voir où je veux en venir. L'ennui, c'est que je n'ai rien prévu. Je vais crever parce que je suis curieux et stupide. Je suis même plus sûr que ce canal est sécurisé. Ils t'ont peut-être déjà repéré. Je deviens parano, mais les Trinitaires, ils plaisantent pas. Ils sont partout. Plus j'en apprends, plus je réalise à quel point j'ai déconné. Alors je vais te faire plaisir. Tu avais raison. Ok. Oui, ça passe par là. Du coup, il n'y a rien de rien à récupérer d'autre. Peut-être ça, à la rigueur. Ouais. Mais après, de toute façon, je peux pas récupérer d'autres trucs.
mercenaires peuvent finir le boulot aussi. On est attendu à la base. On les laisse s'en occuper. Reçu, pas de problème. Bien reçu. Au moins 4. 5, 6. 7. Ah oui, mais je pensais qu'en fait ils étaient un peu plus éloignés que ça en fait. J'en vois encore deux là. Putain mais dégage, ça me mouche là. Canon basculant. J'ai péché au nom de Dieu. Beaucoup de sang a été versé sur le sol de cette vallée. Au moment où je parle, le sang continue à couler. Pardonnez-moi. L'œuvre divine exige des sacrifices, mais je ne suis pas innocent pour autant. Pardonnez-moi. Car depuis que les stigmates sont apparus dans ma jeunesse, j'ai péché en votre nom. Pardonnez à ceux que j'ai tués et à ceux qui ont été tués en mon nom. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Pardonnez-moi, car ma tâche n'est pas encore terminée et beaucoup de sang doit encore être versé. Pièces longues.
l'avais point vu celui-là. Il en restait un. Tu vas crever. Tu me prends? Oui. Des gardes sont venus dans la nuit. Je m'en doutais. J'ai merdé quand j'ai tué le technicien de l'escouade Echo. Je savais que je n'aurais pas dû, mais c'était plus fort que moi. Les rescapés ne suffisaient pas, il me fallait quelque chose en plus. Ils m'ont emmené dans la pièce sans fenêtre. J'ai cru que j'étais mort. Et là, Constantin a débarqué. Il a pris ma tête dans ses mains en souriant. Il m'a dit qu'il comprenait. Qu'il avait été à ma place autrefois. Que j'avais péché, mais que le pardon était encore possible. Je n'ai été qu'un instrument émoussé, s'agitant frénétiquement. Il m'a dit que je pouvais me racheter. J'ai un don. Il faut juste l'aiguiser. Les Trinitaires vont faire de moi une arme. Ils vont me dire où frapper. Oh, j'ai failli pleurer et lui baiser les pieds. Je vais enfin accomplir mon destin. Pour la Trinité. Pour Constantin. Bon, moi je pense que j'ai tout regardé. Ok, ça fait plaisir ça. Il y a un truc explosif bien devant eux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ça dépend pas de lui. Mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. C'est tout? C'est tout ce qu'il peut faire? Tu sais, il y a des gars qui ont été sous contrat pendant des années avant que les Trinitaires les initient. Il va falloir être patient. Il n'y a pas que les performances qui comptent. Quoi d'autre? 8. On fait un genre de serment et après, il y a le rituel. Il a dit qu'on le saurait bien assez tôt. Nickel, nickel, nickel. Pour l'instant, ça passe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celui qui est en haut. Déjà sur place, elle pense que l'Atlas est à l'intérieur. Je croyais que l'équipe de recherche avait conclu qu'il y avait un des prisonniers nous a. Oh merde, il est tombé ce con. Il y a des catacombes cachées en dessous. Espérons que ce soit ce qu'on cherche. Putain, c'est ballot ça. Pourquoi il a glissé ce con? Thank you.
Apparemment, il y en a encore d'autres, puisque ça parle. Ah oui, effectivement, il est là. Ouh là là. Du maladie. Oh, elle détruit mon corps. Et voilà qu'à présent, elle menace aussi mon esprit. Pas de peau. Je dérive de plus en plus. Je me perds dans mes souvenirs. Je ne cesse de penser au jour où Lord Croft est mort. À la façon dont le plan a changé. Je pensais que nous avions échoué. Et avant ça, mes premières années chez les Trinitaires, quand j'ai appris l'histoire secrète du monde, et que j'ai découvert que c'était notre devoir de le sauver. Et avant encore, je revois mon enfance. Constantin et moi, nous n'avions que l'un pour l'autre. Puis j'arrive enfin à m'arracher au passé, à revenir au présent. J'ai toujours accompli mon devoir, et je compte bien continuer. Ok, ouais, d'accord. Sinon, j'ai rien oublié.